Le projet Assassin's Creed Infinity a été annoncé il y a maintenant plus d'un mois sur le blog officiel de Ubisoft. Et autant dire que ça a fait un petit peu parler parce que pour la suite de la franchise, Ubisoft imagine Assassin's Creed en Game as a Service. Évidemment, toute la presse s'en est emparée et a arrangé le truc à sa sauce. Le problème, c'est que ça a créé certaines incompréhensions. C'est notamment le cas chez JV, anciennement jeuxvideo.com, qui a titré sa vidéo « Assassin's Creed va faire du Fortnite ». Alors, c'est pas vraiment de leur « faute », entre guillemets, parce que le problème, c'est que les gens ne s'arrêtent qu'au titre, et résultat, ça crée des incompréhensions, et j'ai entendu des choses, mais qui n'ont aucune cohérence, les gars. C'est n'importe quoi. Non, non, je vous assure, hein, j'ai vraiment entendu des trucs du style « Oh, t'as vu, Auré ? Ubisoft, ils vont faire du Assassin's Creed comme Fortnite !» Et Auré, t'as vu ? Assassin's Creed, ça va devenir gratos, c'est pas trop bien ça. Auré, est-ce que tu savais que Ubisoft va abandonner tout le côté scénaristique de Assassin's Creed et laisser place qu'à du multi, genre comme dans Fortnite ? Stop, là, je capitule, je suis désolé, je capitule parce que c'était trop. On avait fait une vidéo, nous aussi, pour parler du projet parce que ça nous semblait essentiel, notamment sur une chaîne Assassin's Creed. Sauf que vous en avez pas trop dit, on voulait prendre le temps de regarder ce qui allait se dire, ce qui était imaginé, même si on avait déjà une petite idée, et vu que tout le monde envoyait des choses à sa sauce, on s'est dit que de toute manière, quoi qu'on dirait, on serait pas forcément mis en avant tout de suite, et que ce serait pas intéressant de vous proposer vraiment ce que nous on en a pensé. Maintenant que les choses elles se sont à peu près calmées, et ben on en a profité pour poser les choses, réfléchir à du concret, et mettre tout à plat pour que vraiment vous compreniez ce qu'est le projet Assassin's Creed Infinity. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va décortiquer au complet ce qu'est le projet Assassin's Creed Infinity. On va dégager le vrai, le faux et dégager toutes les incohérences. Vous êtes prêts? Allez, jingle! La première chose que j'ai abordée au début de cette vidéo, c'était que Ubisoft allait faire un jeu Assassin's Creed basé sur le principe du Game as a Service. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le Game as a Service? Il me semble important déjà de le définir parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise à tout bout de champ et ça veut absolument tout et rien dire dans la culture générale. Selon un grand auteur Wikipédia, le jeu vidéo en tant que service, en anglais Game as a Service, consiste à fournir des jeux vidéo ou du contenu sur un modèle de revenu continu similaire au logiciel en tant que service. Les jeux en tant que service sont des moyens de monétiser les jeux vidéo soit après leur vente initiale, soit ces jeux vidéo sont proposés gratuitement. Les jeux commercialisés sous le modèle Game as a Service reçoivent généralement un flux long ou indéfini de nouveaux contenus monétisés au fil du temps pour encourager les joueurs à continuer de payer pour soutenir le jeu. Si vous avez compris cette définition, vous avez compris que Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla sont des Game as a Service déjà à leur tour. Bah oui, les nouveaux skins dans la boutique qui sont payants et les nouveaux contenus qui sont ajoutés gratuitement et régulièrement sur Assassin's Creed Valhalla en font partie également. J'entends par là les River Raids ou encore les saisons estivales qui arrivent à chaque changement de saison. Alors oui, Fortnite c'est un jeu service, Warzone c'est également un jeu service, mais c'est pas pour ça que Ubisoft vont faire d'Assassin's Creed un Battle Royale en temps réel multijoueur à 100 à 200 personnes. S'ils font ça, j'arrête la chaîne. Voilà, je me casse, j'arrête les vidéos, je suis désolé, mais bon là je pourrais plus rien faire pour la licence. Hein. Tout ce que va faire Ubisoft, c'est utiliser le modèle économique du Game as a Service pour Assassin's Creed Infinity. Et ça s'entend déjà même au nom du projet Infinity, et vous allez voir pourquoi tout de suite. Ce qui vous amène certainement à penser, mais du coup, finalement, qu'est-ce que c'est Assassin's Creed Infinity à part un nouveau jeu Assassin's Creed? Selon le journaliste Jason Schreier qui s'est exprimé dans les colonnes du journal Bloomberg, Assassin's Creed Infinity serait un jeu service basé sur le modèle du free-to-play. Donc le jeu serait gratuit au téléchargement et au lancement. Il explique également qu'un mode multijoueur serait prévu. Toutefois, Schreier insiste bien sur un point, Assassin's Creed est avant tout et restera avant tout une expérience narrative solo. Et pour rappel, ce fameux Jason Schreier, c'est le monsieur qui fin 2019 avait annoncé à tout le monde que Ubisoft préparait un jeu Assassin's Creed sur les Vikings qui sortirait en 2020. Donc c'est plutôt une bonne source, hein, il est relativement fiable le type. Bon, maintenant qu'on est au clair sur certains points, à quoi ça pourrait ressembler vraiment ce jeu Assassin's Creed Infinity?
Il y a plusieurs années, j'avais lu une interview d'Yves Guillemot qui parlait du futur de la licence Assassin's Creed. Bon, je suis vraiment désolé, j'ai jamais réussi à remettre la main sur l'article parce que vraiment il était hyper intéressant et il annonçait déjà la couleur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez, ça fait déjà très longtemps que chez Ubisoft, c'est déjà pensé en interne tout ça. Donc voilà, si vous arrivez à retrouver l'article, je suis preneur parce que j'ai passé des heures à chercher sans rien trouver. Donc si vous arrivez à remettre la main dessus, ça serait vraiment avec plaisir que je le reprendrai parce que je n'arrive vraiment pas à le retrouver. Mettez-le dans les commentaires et si ça passe pas, vous nous l'envoyez sur nos différents réseaux sociaux. Vous l'avez vu venir, c'est le moment où je vous demande d'aller nous follow sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Je me souviens très clairement que dans cette interview, Yves Guillemot précise que son plus grand rêve pour la licence Assassin's Creed, ce serait que Assassin's Creed ne soit qu'un seul et même jeu. Un seul et même jeu dans lequel le joueur pourrait traverser d'une époque à une autre en un instant T, comme il le veut, comme il le souhaite, c'est-à-dire un seul jeu des multiples époques. C'est déjà un truc qui m'avait fait tiquer à l'époque, et évidemment, déjà à l'époque, il parlait du game as a service comme modèle économique. Sauf que techniquement, à l'époque, je pense que c'était autour de 2013-2014 que j'avais vu ces articles, et ben techniquement c'était compliqué. C'était même pas possible par rapport à aujourd'hui. C'était pas possible, en revanche, aujourd'hui ça l'est beaucoup plus. Vous voulez un premier aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler? Eh bien, il va vous falloir un petit peu d'imagination, mais on va essayer de vous illustrer ça le mieux possible pour que vraiment vous puissiez visualiser à quoi ça va ressembler. Au sein de l'équipe, on est tous d'accord sur un point. La méta-histoire, c'est-à-dire l'histoire du présent, sera toujours là, et elle ne disparaîtra pas. Particulièrement après la fin des événements d'Assassin's Creed Valhalla, où ben voilà, vous avez un nouveau personnage du présent qui débarque, et tout est à refaire, on peut vraiment repartir de zéro. Voilà comment j'imagine les choses de mon côté. Donc Assassin's Creed Infinity, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ce serait un téléchargement gratuit et un lancement gratuit. La première fois que vous lancerez votre jeu, vous découvrirez un petit bout de scénario du présent qui introduira les personnages, les contextes et vous fera comprendre les enjeux qui sont derrière Assassin's Creed Infinity et tout ce qui s'y trame. Ce sera vraiment le fil rouge du jeu, le fil rouge du présent qu'on retrouve depuis le tout premier Assassin's Creed. Et vous arriverez ensuite sur ce qui va ressembler à un hub. Le hub, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment l'essence même, je pense, d'Assassin's Creed Infinity qui va naître. Si on reprend les dires d'Yves Guillemot et également ce qui a été dit dans le blog, et également le titre du projet, Infinity, l'infini, ça ne s'arrête jamais. Le hub, ce sera simplement l'endroit à partir duquel vous pourrez vous balader et choisir entre les différentes époques où vous souhaitez vous rendre. Deux possibilités ici. Ça pourrait très bien ressembler à ce qui avait été fait avec les gros portails dans Assassin's Creed Révélation pour le DLC Les Archives Perdues. Ou bien ça pourrait ressembler au présent d'Assassin's Creed 3, avec par exemple notre personnage du présent qui se balade dans une base d'assassins cachée, secrète. Donc vous découvrirez plein de choses autour de cette base, et à l'intérieur vous auriez un Animus. Animus dans lequel vous pouvez vous asseoir, qui vous affichera ensuite un écran comme dans Assassin's Creed Unity, avec différentes époques à sélectionner, et ensuite vous plongerez dedans tout simplement. Bien évidemment, je vous vois venir, mais non, ce sera pas complètement gratuit. Le principe du game as a service et du free to play, et ben c'est free to play pour jouer, mais ça veut pas dire qu'on doit pas dépenser quand même un peu d'argent, qu'on ne peut pas dépenser un peu d'argent, c'est même important ce terme-là. À mon avis, et ce qui serait même hyper logique, et Ubisoft aurait vraiment tort de ne pas le faire, chaque époque, c'est-à-dire chaque extension du jeu, sera payante individuellement. Ce sera pas aussi cher qu'un jeu complet, parce que ça restera une extension, mais ça sera payant. Et oui, ce sera pas aussi complet parce que, comment vous dire, faire un jeu à 140 heures dans une extension, si on veut un petit peu de régularité avec des nouvelles époques qui sortent régulièrement, ça risque d'être compliqué. Et le but, ce serait à chaque fois de proposer une nouvelle époque, un nouveau héros, une nouvelle histoire ou la suite des aventures d'un héros, ainsi que un petit bout en plus, vous savez, de ce présent avec le fameux fil rouge, pour également vous donner l'envie d'acheter la prochaine extension qui sortira. Un peu d'ailleurs comme dans les premiers jeux Assassin's Creed, hein, si on arrivait à la fin du jeu, on avait un petit fil rouge qui se déclenchait avec un petit cliffhanger, et tout de suite, on posait notre manette et on se disait « je veux la suite ». Mais ne vous en faites pas, Jason Schreier, il a dit quand même que ce serait un free-to-play. To play, ça veut dire free, c'est-à-dire que free to play, peut jouer gratuitement. Bon, alors qu'est-ce qui va être gratuit? Eh ben, le multijoueur. Alors, le multijoueur, il ressemblera certainement à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant dans la franchise, avec les différents modes de jeu que l'on connaissait déjà, hein, la chasse à l'homme, la traque, ou encore la domination. Mais on peut également imaginer le retour de la coop, parce que c'est un mode qui a été extrêmement apprécié dans Assassin's Creed Unity, et que beaucoup de fans le redemandent encore. D'ailleurs, je vois régulièrement des gens sur le Discord Assassin's Creed France, n'hésitez pas à le rejoindre si c'est pas encore fait, qui demandent à des gens de venir jouer sur Assassin's Creed Unity pour de la coop. Alors, multijoueur gratuit, oui, mais bourré de microtransactions. Ce qui fait aussi partie du free-to-play, c'est toute cette possibilité d'achat payant in-app. Donc ça passe par des nouveaux skins, des nouvelles armes, un système de lootbox peut-être, tout ce qui peut rapporter des revenus réguliers sur le projet pour financer les prochaines extensions.
Mais vous allez me dire, mais Auré, quel intérêt de proposer le multijoueur gratuit? Les gens, ils veulent de l'Assassin's Creed solo, parce que tu l'as dit toi-même, c'est une expérience solo narrative avant tout. Bah oui, c'est bien ça le truc justement, c'est que les gens veulent du solo narratif avant tout, cependant, quand c'est gratuit, on télécharge, on essaye et on voit ce que ça donne. Vous l'aurez donc compris, ce fameux multijoueur, ce serait un produit d'appel pour attaquer la franchise, pour proposer aux gens discrètement, hein, sans trop forcer, d'acheter les extensions payantes, mais solo et narrative. Pour vous donner un exemple de jeu qui le fait très bien d'ailleurs, et ben c'est Call of Duty Warzone. Oui, le jeu est gratuit, vous pouvez jouer au Battle Royale sans problème, mais si vous achetez Modern Warfare ou Black Ops, vous avez accès à des nouveaux personnages, des nouveaux skins qui sont exclusifs au jeu en multijoueur. Si vous avez juste le free-to-play, vous pouvez jouer au jeu, mais vous avez des choses en moins. Et ça marche parce que je suis le premier à avoir acheté les jeux multijoueurs en ayant joué à Warzone. Et je vais vous donner un exemple concret de tout ça. Si, admettons, on a une extension payante qui nous envoie, à tout hasard, au Japon féodal. Puis le temps qu'on en rêve, ce serait peut-être temps Ubisoft, là, hein. Mais Auré, il y a Ghost of Tsushima ! Ta gueule ! Je disais donc, si on a une extension au Japon féodal, en expérience narrative solo, et ben si vous l'achetez, vous débloquerez le skin du personnage principal de cette extension dans le mode multijoueur. Et le fait de voir d'autres joueurs porter cette tenue quand vous jouez au multijoueur, ça va vous donner envie de l'acheter. Si elle est très stylée, si vous l'aimez, vous aurez envie de l'acheter. Et ce multijoueur, il prend tout son sens parce qu'au final, il serait également intégré au hub. Si on part sur le principe du portail, et ben vous entrerez dans le portail du multijoueur. Et si vous partez sur l'expérience de l'Animus, et ben en rentrant dans l'Animus, vous aurez toute une section, j'imagine, avec par exemple l'entraînement d'Abstergo, l'entraînement des assassins. Bon, ce magnifique projet! Quels sont vraiment ses avantages là-dedans? Eh bien, premièrement, côté Ubisoft, la production coûtera clairement moins cher. C'est du jeu-service, donc c'est égal à pas de boîte, et c'est complètement dématérialisé. Donc ça veut dire aucun cycle de distribution, aucune grosse campagne de communication pour annoncer les grosses extensions, ils se contenteront certainement de trailers sur leur chaîne, d'informations sur les réseaux sociaux, et c'est tout. Pas de grosses présentations à l'E3, à part des plus grosses extensions peut-être plus importantes que d'autres. Comme je disais tout à l'heure, les différentes époques, extensions, seront aussi certainement moins chères. Mais ça reste encore à prouver, c'est pas encore super sûr ce que je vous dis là-dessus, parce qu'il y a déjà un jeu Assassin's Creed qui a tenté ça. C'était Assassin's Creed Identity sur mobile. Vous aviez un contenu gratuit, et à côté de ça, vous pouviez acheter des extensions, mais attention, hein, des extensions avec peut-être 2 ou 3 heures de jeu, qui coûtaient 25€ pour un skin et quelques heures de jeu sur un jeu mobile. Oh ! Désolé, fallait que ça sorte. Donc, ils ont vraiment tout intérêt à faire attention au prix proposé. Vous aurez donc aussi le choix d'acheter ou non certaines époques qui vous tentent le plus. En revanche, bah vous passez peut-être à côté de certains moments importants, peut-être du fil rouge et du présent. C'est aussi sur ça qu'ils vont jouer, hein, pour vous faire acheter de toute manière. Avantage indéniable, se concentrer vraiment sur ce qu'attendent les fans d'Assassin's Creed. Même si les derniers opus ont très bien marché, on va pas se mentir, Ubisoft ne sont pas du tout bêtes, ils savent très bien que les fans de la première heure ne sont pas contents. Et pour citer le blog qui annonce le projet Assassin's Creed Infinity, la franchise Assassin's Creed continue de dépasser les attentes des fans qui ont demandé une approche plus cohérente de son développement au cours des dernières années. Plus cohérente, oui, on veut un truc plus cohérent. Et par plus cohérent, on aura enfin de la vraie méta, du vrai présent, du vrai Assassin's Creed, du vrai credo, du vrai conflit assassin templier, du vrai Assassin's Creed, du méta. Et enfin, un retour du multijoueur. Ah oui, j'assume, je suis content, je me suis régalé sur le multijoueur, j'ai trop hâte pour ça, moi. Mais à voir au niveau du modèle économique. Je sais que c'était quand même plutôt bien dosé dans les précédents multijoueurs, on va espérer que ça reste sur cette lignée-là. Évidemment, un lot d'avantages arrive également avec son lot d'inconvénients. Et le premier, c'est l'arrivée forcément de l'ère du tout dématérialisé avec son lot de risques. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y aurait certainement pas de version physique d'Assassin's Creed Infinity, c'est-à-dire que du jour au lendemain, Ubisoft peut décider de couper les serveurs et donc, bah, tout simplement, vous n'aurez plus jamais accès au contenu que vous avez acheté. Et pour vraiment en savoir plus sur tout ça, je vous recommande chaudement la vidéo « Les dangers du dématérialisé » par Iconoclast. Vraiment, elle est ultra intéressante, je l'ai regardée en boucle plusieurs fois parce que vraiment, il met des choses sur la table, des choses qui sont importantes, qui amènent les gens à réfléchir aussi. À vous de faire le pour et le contre, moi je suis plus une team physique et c'est vrai que ce projet-là me dérange sur le principe du tout dématérialisé. Second point, les extensions pourraient être relativement maigres. Plus intenses, certes, il n'y a pas de souci, mais peut-être un peu maigres, à voir comment c'est amené, mais il y a un risque quand même, on va pas se mentir. Et
ce qui implique vraiment de devoir faire attention au prix proposé pour chaque extension. Parce que on va toujours essayer de tirer sur la corde, de proposer une extension toujours plus chère, et tant que ça passe, ils proposeront plus cher, constamment. Et on arrivera peut-être à l'extension à 50 balles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Ah, et puis celle-là, elle va parler à beaucoup d'entre vous. Eh ben, c'est le problème du moteur. C'est drôle parce que c'est un problème qui est très récurrent chez Ubi. Bah pourquoi ? Parce qu'on va choisir un moteur pour développer le projet, mais ce serait du coup que plus que des mises à jour mineures pour les graphismes. Alors attention, hein, selon Jason Schreier, le jeu serait prévu pour sortir en 2024, autant dire que d'ici là, on aura certainement une nouvelle version du moteur Anvil Next. En tout cas, je l'espère vraiment, hein. Parce que la durée de vie des moteurs chez Ubi est trop étirée. Pour Assassin's Creed, c'est le même moteur depuis Assassin's Creed Unity en 2015. On est en 2021, d'accord? Ça fait 6 ans. Et oui, non, c'est vraiment le même moteur entre Unity et Valhalla. C'est le même, d'accord? Le style de jeu n'est pas le même, mais c'est le même moteur physique qui est derrière. Et pour vous donner un autre exemple, eh ben Far Cry, hein, c'est le même moteur depuis Far Cry 4 2014. 7 fucking years! Et bah du coup, forcément, ça commence à se sentir sur les dernières productions. Et ce qui me choque le plus aujourd'hui, et bah c'est le nouveau Far Cry qui va sortir. Hein, on va pas se mentir, c'est pas une révolution. Alors oui, il est sur deux générations de consoles. Ceci étant, je suis pas certain que ce soit forcément une justification à tout pour tenir un moteur sur 7 ans, alors que c'est un moteur qui était fait pour la génération PS4. Xbox One. Oui, ce risque est moins présent parce qu'on aura certainement un nouveau moteur pour Assassin's Creed Infinity. En revanche, on verra peut-être le problème 3, 4, 5 ans après la sortie d'Assassin's Creed Infinity s'il continue d'ajouter continuellement des nouvelles extensions dessus. Alors vous, derrière votre écran, maintenant que vous avez écouté tout ça, que vous avez compris vraiment ce qu'est Assassin's Creed Infinity, est-ce que ce projet, est-ce que ce jeu unique en soi vous tente vraiment? Oui, non, pourquoi? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment de pouvoir échanger et débattre avec vous dans le plus grand des respects, comme toujours. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le projet Assassin's Creed Infinity. Je vous invite chaudement à la partager au maximum pour essayer de détruire toutes les fausses rumeurs et incohérences qui sont proposées partout sur internet. C'est vraiment important qu'on enraye tout ça et qu'on se concentre sur ce qui est essentiel. Je vous invite également à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification, et également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Il y a du nouveau contenu toutes les semaines, on aime bien échanger avec vous, c'est un échange de partage et de plaisir pour nous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite sur la chaîne, c'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous et bye tout le monde.